Bonjour et bienvenue dans ce premier cours yoga danse. On va commencer par un petit échauffement et ensuite on verra un petit bout de chorégraphie. Allez, on est parti. Je m'ancre dans le sol, les pieds sont larges au bassin. J'engage les abdos, je me grandis, je relâche les épaules et je vais faire tête à droite et à gauche. Je reviens au centre et je fais épaule-oreille. Même chose, droite, gauche, 4 fois. 3 et 4. Devant, on y va doucement, derrière. Cercle dans un sens. Allez, j'agrandis, je relâche complètement les épaules. On prend son temps. Et change de sens. Ok, on attrape ses mains au-dessus de la tête. On passe sur demi-pointe, on se grandit, on s'étire, on relâche. Encore une fois, inspire, monte les bras au ciel, grandis-toi. Et on relâche. Allez, encore une fois. Et dernière. On écarte les pieds un petit peu plus loin que largeur bassin, à peu près épaule. Je passe les mains flex et je vais monter les épaules et relâcher. Sur 4, 3, 2, 1. Même chose en décalé. Je monte droite, je laisse gauche en bas. 2, 3, 4. Sois triste. Je vais ouvrir et fermer. Je vous montre le profil. Il n'y a rien d'autre qui bouge que la poitrine. 2, 3, 4. Même chose côté. 1, 2, 3, 4. Ok, je plie les jambes. Bassin, droite et gauche. 2, 3, 4. On va faire la même chose d'avant en arrière. Donc, je vais antéverser. Je mets les fesses vers l'arrière et je rétroverse. 2, 3, 4, jambes tendues. Même chose, bassin droite et gauche, je garde mes jambes tendues. La tête reste où elle est. 1, 2, 3, 4. Ok, jambes tendues, rétroversion, antéversion, donc c'est tout petit. 1, 2, 3, 4. Ok, on fait les cercles dans un sens. La tête reste où elle est. 2, 3, 4 et change de sens. 1, 2, 3, 4. Je rajoute le buste. Donc cette fois-ci, je bouge la tête. Allez, je pousse vers l'avant, je pousse sur le côté, je pousse en arrière. Je viens chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Ne restez pas en apnée. 3. Je change de sens. 2, 3, 4. J'écarte un petit peu les pieds, j'oriente mes orteils dans la diagonale. Je passe les mains sur les genoux et là je vais passer sur demi-pointe à droite, alterner gauche. Allez, 1, 2, et 4, les deux ensemble. 1, 2, 3, 4. Les chevilles sont sous les genoux. Je pousse les genoux vers le fond de la salle.
Je descends le bassin dans le sol. Je relâche les épaules. Ok, je vais passer ici un coude sur un genou. Je vais venir chercher la torsion. Donc je vais amener mon épaule dans le sol en continuant de pousser le genou vers l'arrière de la salle. Donc on est parti pour 4, 3, 2, 1. Je change de côté. Pour 4, 3, on va chercher la torsion. 2, 1. Je change sur 2 et 1. 2, 1, 2 et sur 1. Je fais la même chose et cette fois-ci je rajoute les jambes. Tant. Et on change l'orientation des pieds. On vient chercher de la stabilité. Et je descends à droite. Je mets des mains si j'ai besoin. Le genou est face plafond, le pied est flex. Je continue de pousser dans ce genou vers l'extérieur. Je mets de ma main au centre et je change de côté. Même chose, pied flex, genou face plafond. Le poids vers l'arrière. On essaie de ne pas être sur la demi-pointe. Encore droite. Gauche. Allez, dernière à droite. Et je change d'orientation. Je change complètement d'orientation. Je suis sur la demi-pointe à l'arrière. J'ai les entailles ancrées dans le sol. La cheville ici sous le genou. Et je tends les deux jambes. Je reste là. Donc là. Et relâche. Passe au centre. On reste ici. On relâche complètement la tête, les bras, les épaules. Je change de côté. Viens chercher un dos plat. Je relâche la tête. Je tends celle de derrière. La cheville est sous le genou. Je me grandis. Je fais de l'espace dans la colonne. J'ancre les orteils à l'arrière. Mon pied de l'arrière rejoint celui de devant. Je passe sur une chaise. Je monte les bras au ciel. Et je tends. Montagne. Et sur le cœur, je relâche. Ok, on va passer à la partie chorégraphie. Alors, on va commencer au sol. Donc, je suis au sol, pieds joints, main en arrière, je me redresse, je me grandis, je garde le dos droit, je resserre les ongles plates au maximum. J'éloigne les épaules des oreilles. Ici. Donc on va faire tête. Un rond de tête. On va placer les jambes en attitude. Alors au choix, vous pouvez travailler du même côté que moi ou en miroir. C'est vous qui voyez. Donc je place les jambes en attitude. La jambe de derrière va faire un rond de jambes pour se placer devant. Et je monte ici en angle étiré. Repasse du genou au sol. Repasse ici. Et même chose de l'autre côté. Attitude. La jambe de derrière passe devant. Je mets du bras pour me redresser. Je passe sur les artères à l'arrière. Et je monte le bras placé. On y va, début. Donc ça fait tête, attitude, monte, repose, change de côté, repasse au sol, replace-toi en position de départ.
Allez, encore une fois. On y va, tête. Attitude. Et ouvre. Change de côté. Position de départ. Ok, la suite. On va monter le bassin pour se placer en table inversée. Donc je vous montre. Ça fait, je vous montre de profil ce que ça donne. On monte le bassin. Les chevilles sont sous les genoux. Les poignets sous les épaules. Je monte le bassin pour être le plus droit possible et je relâche la tête. Ok. Groupe à début. Tête. Attitude. Et change de côté. Replace-toi en position départ. Table inversée. Et ici, je vais monter jambe droite, croiser, monter, poser. Même chose de l'autre côté. Monter, croiser, monter, poser. Ok, on y va, début. 5, 6, 7, 8, et ça fait tête. Ouvre plafond. Même chose de l'autre côté. Mon bassin, jambe droite ou gauche, selon comment vous êtes. Croise et relâche. Ok, on y va en musique pour cette partie-là. Donc j'ai choisi un son volontairement rapide pour me donner la pêche. Encore.
ça. Thank you.
Donc vous pouvez vous placer en position allongée ou comme en tailleur au choix. Ok, vous allez fermer les yeux. Vous allez inspirer et souffler par la bouche. Encore deux fois. Merci d'avoir suivi ce premier cours.